Yo tout le monde, c'est Chris Harris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel comment contrôler son ordinateur à distance, que ce soit le vôtre, celui de votre grand-mère qui a de la misère, ou ben un ami que vous voulez juste faire chier, bien sûr. Donc aujourd'hui, comme je filme avec mon téléphone, on va utiliser mon iPad. Donc première étape pour contrôler l'ordi, il faut bien sûr l'application qui est TeamViewer, une application qui faut pas avoir peur d'installer, là, tu sais, c'est une bonne application, hein. C'est, avec ça, là, c'est pas comme pogner l'ordi d'un de tes amis, puis après ça, te mettre à tout hacker pendant que lui, il a plus le contrôle, puis genre, quoi? C'est genre, les deux, ils ont toujours le contrôle, ok? Donc, vous allez là-dessus, vous téléchargez l'application. Ensuite, il faut que vous ayez sur TeamViewer. Ici, mes codes sont cachés, effectivement, pour que vous preniez contrôle de mon ordinateur. Donc, vous avez l'ID. Donc, ici, comme vous pouvez voir, ça, c'est pour que... En fait, cette catégorie-là, c'est pour prendre le contrôle d'un autre ordinateur. Ici, c'est pour que quelqu'un ou vous-même prenez le contrôle de votre ordinateur. Donc là, vous allez... moi, je vais ouvrir ma tablette. Tac. Il faut downloader l'application TeamViewer Remote Control. Je sais pas si c'est avec la lumière. Non, c'est pas de l'air d'aller bien. Hein. Après ça, vous créez un compte ou pas. Vous pouvez juste mettre le ID de l'ordinateur. Après ça, vous mettez le mot de passe. Mot de passe que vous pouvez changer. Voilà. Par contre, l'ordinateur ne peut pas pogner. L'ordinateur ne peut pas contrôler un téléphone. Mais l'ordinateur peut contrôler un autre ordinateur, un autre téléphone. Pourquoi prendre contrôle d'un autre appareil? Tout simplement parce que vous avez des amis qui ont de la misère. Ou bien parce que ça vous tente pas de vous lever à votre clavier pour changer d'émission Netflix ou YouTube quand vous êtes couché dans votre lit. Moi, c'est ça que je fais. Je prends mon téléphone, je prends contrôle, je change de vidéo. Donc là, qu'est-ce que ça donne si on va prendre contrôle de mon ordinateur? Et voilà. Donc là, tout a changé, voilà. Contrôle sur iPad et sur téléphone n'est pas le même. Donc là, est-ce que le contrôle marche? Oui. Bam. Vous voyez, je suis présentement en train de prendre contrôle de l'ordi. Donc là, sur téléphone, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez une souris. Avec le doigt, vous déplacez la souris. Donc, admettons, la souris peut être là, puis avec ton doigt, tu pousses de même. Et après ça, tu cliques pour faire toutes les options. Sauf que sur iPad, ce que j'ai vu tantôt, c'est que y a pas de souris. Là. Vous voyez à l'écran, il n'y a pas de souris. C'est le petit... comme dans Float Ninja, là, vous voyez. Là. Bon, on le voit bien. On voit le petit coup de couteau de Float Ninja. Donc là, on peut aller faire n'importe quoi. Tac, tac. YouTube. On change de vidéo. Et voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. C'était assez simple et assez facile pour vrai. Vous pouvez même, en même temps, je vois là, ici, tac, je peux fermer l'ordinateur, tout. Seul problème, c'est que si vous voulez prendre contrôle de l'ordi, il faut que l'ordi que vous allez prendre contrôle soit allumé avec TeamViewer allumé. Sauf que là, tantôt, j'ai réussi à le prendre contrôle sans que TeamViewer soit allumé, mais je sais pas si comme c'est avec les apps, si, ouais, je pense qu'il était comme allumé sans être 100% ouvert dans la barre en bas. Donc, ouais, il faut toujours que ça soit ouvert. Si vous le fermez par les paramètres, ben là, vous ne pouvez plus vous reconnecter. Et sinon, avec la connexion réseau d'où ce que vous êtes, le contrôle peut varier. En même temps, moi, à l'école, ça bug beaucoup. Ici, ça bug zéro. C'est vraiment comme en temps réel. Pour elle, c'est vraiment en temps réel. Mais si la connexion est mauvaise, ça va pas vraiment l'être. Donc, TeamViewer, tac, tac. Je crois que c'est tout. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Yo tout le monde, c'est Crazy Harry's. Donc, vidéo spéciale aujourd'hui. Ben, spéciale, ouais. En fait, vidéo de contrôle à distance de son ordinateur. J'en ai déjà fait une il y a 2 semaines pour contrôler son ordinateur avec TeamViewer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle méthode
qui est avec, en fait, sans application, donc directement sur Windows. Il faut Windows 10 Pro. Donc, en fait, l'ancienne vidéo va être supprimée, toujours accessible en cliquant sur un des coins là ou là, j'en ai aucune idée. Donc, accessible pour ceux qui veulent l'avoir. Donc là, en fait, les deux vidéos vont être assemblées ensemble pour en former qu'une seule. Donc aujourd'hui, la technique, c'est directement dans Windows 10. Donc, il faut aller dans le Windows. Donc, tout simplement, on va aller dans les paramètres, système, après ça, bureau à distance. Donc, en fait, vous voyez à l'écran, c'est très con, très con. Et vous l'activez tout simplement. Après ça, vous allez un peu plus bas. Ça vous donne un code ici qui va être... un code. C'est le nom de votre ordinateur, ok? Donc, ça vous donne le nom de votre ordinateur. Le mien est caché par un pixel ou je ne sais quoi. Parce que cette vidéo est montée, non par moi, mais mon nouveau monteur. Donc là, vous allez avoir le code. Vous allez dans l'App Store ou le Play Store. Et on va essayer de faire de quoi de popper. Donc, vous allez... allez sur cette application-là, faite par Microsoft, c'est Bureau à distance Microsoft. Donc, vous allez installer cette application-là, vous faites les paramètres et vous avez juste à mettre le nom de l'ordinateur et voilà, vous pouvez vous connecter. Donc, les points forts et les points faibles. Point fort, t'as pas besoin d'avoir l'application ouverte comme TeamViewer. TeamViewer, en fait, il fallait le code de l'ordinateur. Ça vous donne un code et un mot de passe pour se connecter. Mais si vous avez le compte sur votre téléphone et ordinateur, vous pouvez vous connecter sans les codes. Tandis que ça, c'est directement à l'ordinateur. Donc, pas besoin d'ouvrir d'application. Vous connectez, ça finit là. Donc, ça, c'est un point fort. Pas besoin d'avoir l'application ouverte. Point faible, on peut prendre contrôle d'un seul écran. Donc, si vous avez un ordinateur à plusieurs écrans, vous pouvez que prendre l'écran principal. Du moins, à ce que j'ai pu voir avec ma faible utilisation. Autre point fort, vous pouvez soit contrôler le curseur. Donc, en même temps, le curseur est là, vous le contrôlez comme ça, comme dans TeamViewer. Ou avoir le mode qui, en fait, comme un téléphone, votre doigt et votre curseur. Comme un iPad, ça faisait l'option du doigt curseur. Et le téléphone, ça fait l'option de déplacer le curseur. Donc ça, je trouve que c'est quand même une bonne option, mais on s'en branle complètement. Donc moi, j'ai ma petite technique. Lorsque je ne suis pas chez moi et que mon TeamViewer est fermé, je me connecte à distance avec cette application-là. J'ouvre TeamViewer et je me connecte à TeamViewer. Pour moi, je trouve que TeamViewer est vraiment excellent. Tu peux avoir les deux écrans. C'est vrai, à part ça, il y a quoi d'autre? Donc les points positifs de TeamViewer, c'est avoir les plusieurs écrans en même temps. Sinon, il me semble qu'il y en a d'autres, mais je me rappelle pas. S'il y en a pas d'autres, ben rendu là, on s'en fout parce que c'est déjà quand même une bonne option. Sinon, vous pouvez continuer à utiliser l'application directe de Windows. Mais je le rappelle, c'est seulement pour Windows 10 Pro. Donc, si jamais vous l'avez pas, continuez à utiliser TeamViewer. L'application est excellente. Wow, ok, je viens de me rappeler. Un autre point négatif de l'application Windows, c'est que lorsque vous prenez possession de l'ordinateur, celui-ci s'éteint. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai pas fait d'enregistrement en temps réel. Tout simplement parce que lorsque vous connectez l'ordi, c'est comme, tu sais, quand tu allumes ton ordi, il faut que tu mettes ton mot de passe et tout, mais là, ça revient là. Puis là, tu déconnectes, puis là, il faut que tu remettes ton mot de passe. Donc, si jamais tu veux prendre le contrôle de l'ordinateur de quelqu'un que tu connais, lui, il peut pas voir ce que tu fais, ce qui est très négatif pour l'utilisation requise. Puis, tu sais, sinon, avec TeamViewer, les deux peuvent contrôler. Donc, tu peux contrôler avec ton téléphone à distance, tandis que lui aussi, il contrôle l'ordi, même si c'est un à la fois. Donc, ça va juste fucker la souris. Mais ouais, ça c'est un point négatif, positif, TeamViewer, bah tu peux voir ce que l'autre fait, comme ça t'es sûr de pas te faire mettre dans le cul. Donc je crois que c'est tout, c'est la deuxième fois que je fais la fin de la vidéo. Donc si t'as aimé, lâche un like, abonne-toi, active la petite cloche. Je remercie mon nouveau monteur d'avoir monté cette vidéo.
Je crois que c'est à peu près tout. Allez, ciao tout le monde. C'est un point négatif.